Et salut à tous, c'est Nao et bienvenue pour là une nouvelle vidéo. J'arrive plus à parler sur The Witch House. Attendez, je mets juste mon chrono. Oui. Oh yeah. Et donc voilà, je pense avoir trouvé normalement pour l'énigme des crânes. Allons essayer ça de suite. Hop. Miam. Alors. Attendez, je remets un petit peu de son sur mon casque. Ça doit être bon. Alors, en fait, c'est tout en diagonale. Donc ça, c'est bon. Ça, je pense que ça serait plus à droite. Et là. Voilà, normalement, c'est un truc dans ce genre-là. Parce qu'en fait, c'est tout en zigzag, chez... enfin, en spirale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Attention, moment de vérité. Yeah! Ça a marché. Génial. Génial. J'ai enfin réussi. Oh putain, je me prépare à courir, je me sens mal! Je me suis fait bouffer par un crâne. Ça commence bien. Oh putain de merde. Oh puis faut toujours recommencer. Fais chier. Je me sentais mal quand j'ai vu le pot se casser. Je me suis dit ça c'est pas bon. Putain il va falloir que je fasse un putain de détour. Que j'esquive et tout. Que je sache j'arrive à sortir de la salle. Ça va être horrible. C'est moi les sauvegardes. Oh putain, j'y suis arrivé. J'ai eu peur, je me suis dit ça y est, je vais encore rester coincé 10 minutes sur ce passage. On a réussi. Il y a une chaise qui a bougé toute seule, mais j'en ai rien à foutre. Et maintenant, on a de l'eau ici. Qu'est-ce que c'est là-dedans, là? Mon père est mort. C'est les tétards qui me parlent, là. Merde, attendez. Tu l'as... Tu l'as tué? Quoi? What? Oh, il parle de Monsieur Croix! Je crois que c'est les tétards de Monsieur Croix! Mais je voulais pas le tuer, mais j'avais pas le choix! Bon, on va pas parler aux tétards? Je me suis fait tuer par des tétards, quoi. Je vais essayer de mettre les pétales directement, mais je pense qu'il faut plus prendre la bouteille. D'accord. Ah voilà, ouais, mettre les pétales dans la bouteille. Ok. Et maintenant? J'ai rempli la bouteille d'eau. Voilà. Et maintenant, on met de l'eau dans la bouteille vide. Yeah! Et maintenant, on a une lumière qu'on peut transporter, ce qui est génial. Donc, du coup, regarde, on va pouvoir aller... Putain, j'arrive pas à avancer. Là où il fait tout noir. Oh putain, ça pue du cul. D'accord. Je vois que dalle. Tiens, passons par là, tiens. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, regarde en dessous de la table. Il y a rien du tout. Il y a rien. Il y a rien. Bon, heureusement que je suis pas limité dans le temps, parce que déjà qu'il n'y a pas de lumière... Vous imaginez? Oh putain. Oh là là, c'est tellement pas bon. Ouais, on va passer par là, tiens. Oh putain. Ah, oh putain, elle m'a fait peur. Je peux pas examiner. Je vois tellement rien. Je veux vite sortir d'ici, s'il vous plaît. Je sais même pas ce que je cherche, en fait, ici. Un truc. Un truc qui pourrait me faire avancer. Ça, c'est sûr. Ah, il y a un truc. Une pipe. Il y avait la statue. Oh, alors là.
Alors là, je peux pas courir. Je peux pas courir. Non, 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 non. Putain, putain, putain. Non, c'est pas là. On va vite ressortir. Je vais pas attendre. Je peux pas courir, hein. Je peux pas courir. Et elle me suit. C'était si long que ça. Ce couloir ! Non ! Je vois rien, hein. Je suis arrivé à ressortir. Sauvegarde. Yo le chat. C'était chaud. J'ai trouvé une pipe. Alors attendez. Avec mon cerveau analyse la situation là. Ah, le mec. Attendez, le prisonnier me disait qu'il pouvait pas prendre la médecine comme ça. C'est peut-être du shit en fait. Hein. Il veut peut-être une pipe avec. Ouais. Ouais. Ah, yes. C'est... Hey, hey, mine. It's mine. C'est à moi. C'est à moi. Elle a disparu de la cellule. Ouais. Et ne pas refermer. Est-ce que je peux les sauvegarder avant? Moi j'aime les sauvegardes. Moi j'aime les sauvegardes. J'aime les sauvegardes. Ok, on va aller ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Something, ça, il se cloque. J'ai des chaussures rouges, magnifiques. Je veux sortir d'ici. Ah, let's... Ok, d'accord. On va se barrer. The... Hop. 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 Dépendance. Cassons-nous. Ah. Bon, alors maintenant, j'ai une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle pour vous. Je sais absolument pas ce que je dois faire. Want you wear the shoes? Qu'est-ce que c'est wear? Je sais plus. Merde. Et j'ai la flemme de regarder. Ah, attendez. Il parlait de godasse là-bas. On va retourner là-bas. So, les poisons pass with colorless shoes. Donc, si je mets mes godasses, est-ce que je peux les mettre? Wear shoes. Ok, je les ai. Lise, fallait pas. Mon corps qui se bat tout seul, tout content. Ok. Attendez, c'était pas dit comme quoi c'était couvert de sang ou je sais pas quoi. Je pourrais pas. Non, pas les tétards. Je pourrais pas les nettoyer. Yeah! Ça doit être ça, je pense. Miam miam. C'est tout plein de sang. Non! Ah! Bon, il faut que je me prépare à courir, je sais pas où. Ah, peut-être que je retourne en où. C'est bon? Puis-je ressortir en toute sécurité ou pas? Ok. Putain, le nombre de fois où je suis morte dans le jeu, quoi, c'est impressionnant. Alors, maintenant, on va mettre les godasses. Ah, ça se met automatiquement, ok. Et je vais pouvoir marcher dans le poison. Par contre, j'ai toujours du temps, ça fait chier. Yeah, je peux marcher là-dedans maintenant. Et je vais où? Comme ça. Oh, désolé, j'étais un peu marché dessus, hein, tu m'en veux pas. Ah merde, il y avait une porte là! Bon. Par contre, ouais. What you suppose a friend is? Qu'est-ce que tu crois que c'est un ami ou je sais pas quoi?
Witch Jerry. Close the service from the sickness. So I might have my friend. Cabrol. Attendez, vu que j'ai sauvegardé, j'aimerais bien essayer de retourner en arrière. Parce qu'il y avait une porte. Ah, puis maintenant il n'y a plus de temps. C'est parfait ça. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une poupée. Une tête de poupée, pardon. Ah, non, non, non. Il y a plein de bestioles maintenant. Attendez, je vais sauvegarder. Et je vais juste refaire un petit tour. Ouais, je sais, je suis chiante. En arrière, je vais voir si j'ai rien loupé, en fait. Quoi? Top left, top right, bottom left, bottom right. Pardon? Alors ça c'était franchement flippant hein. Ça veut plus s'ouvrir en plus, ok. Bottom left, alors attendez. En bas à gauche, time 666. Bas à gauche. Mon top left. Putain, j'ai rien compris. Enfin, si, mais je vous expliquerai pas le calcul, c'était chiant. Bon, c'est bon, on avance. Je sais pas où je suis, dans un labo bizarre ou je sais pas quoi. Ok. Ah. Une cute little bottle. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Tête de poupée. ouais. D'accord. Faut peut-être pas que je le prenne en fait, non? Attendez, je vais regarder les autres trucs avant. Oh, c'est... des yeux. C'est souvent des yeux, oui, j'ai vu. Pas besoin de mettre des yeux sur le côté pour me faire comprendre que c'est des yeux. Je suis en train de me demander comment je vais réussir à esquiver mon truc, moi. Attendez, maintenant que j'ai tout exploré, je vais aller se re-sauvegarder. Et ouais, je suis comme ça, moi. Ok. Pas évident le jeu, hein, n'empêche, hein. Ok. On va passer par là pour la prendre. On sera plus près de la porte. Oh! Putain, j'ai failli y arriver. J'étais vraiment pas loin, j'ai bugué. Ah, j'ai du mal à aller vite, en fait, avec les contrôles. Bah, c'est de ma faute, hein, je suis mauvaise. Hein. Allez, cette fois, j'y arrive. Ouais, je take. Cute little bottle. Cute little bottle. Non, mais... Ah. Chaque fois, je bug. Chaque fois, je bug. Tous les jours, je bug. On va y arriver, hein, pas de panique. Oh putain, j'ai chaud aux fesses. Ah, le chat, il est plus là. Hein. Mais Ah, j'ai tellement les boules. Je dois aller où maintenant?
J'ai pas envie de crever et de devoir commencer en fait. Vous voyez qu'il faut que je rentre? Non, je crois que je peux pas de toute façon. Ah non, je vais aller pouvoir replacer la poupée maintenant. Parce que j'ai un corps et une tête. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Oh putain. C'est devenu tout moche. Ah, t'es là, toi. Fais peur. Oh merde, j'ai oublié de remettre mon... Ah, j'ai oublié de remettre mon chrono. Pas bien. Du coup, je sais absolument pas depuis combien de temps j'enregistre. Yeah! Oui, tout à l'heure, j'ai dit de la merde. J'ai dit, oh, j'ai une tête de poupée, alors que non, c'est pas grave. Yeah! Très rassurant. Il y a un trou. Bah, allons-y. Vraiment? Oui. J'ai sauvegardé avant, de toute façon. Je ne vois rien, en fait. J'ai toujours ma bouteille, là. Et putain, où je dois aller? Je comprends pas. Ah, tout droit. Je me suis fait chier pour rien. Je peux pas courir, hein. Viens dans ma chambre! Serait-on vers la fin du jeu? Oh putain, je me suis téléporté, ça m'a fait peur. Mais si, je veux pas aller dans sa chambre, moi. Je peux pas sauvegarder du coup. Bon, je vais pas arrêter mon épisode maintenant parce que je pense qu'on est vraiment à la fin de la fin. Oh putain. Oh putain, putain, putain. Un lit plein de sang. Oui, Jerry. Ma sickness. Je crois que c'est ma maladie, donc... I took a body from here. J'ai fait venir son corps ici. Pour vivre à travers son corps ou un truc comme ça. C'est ça, hein, bien sûr. Hein. Parce que nous sommes amis. She gave me her... non, mais je veux pas te donner mon corps, moi. Non, parce que nous sommes amis. Donc, today, on va jouer ensemble. On va jouer un peu. Right? Viola? Oh non. Elle est là! Bouge! Ah, c'est la sorcière! Bouge! Ah, oh, je peux sauvegarder! Ou alors, ça, c'est génial. Je... Ah! Ah! Oh, putain, cours! Cours, cours, cours! Cours! Ah! Tu t'es coincé dans la plante! Bordel! Ok. Qu'on se poursuit, endiablé! Non! Putain, 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 putain! Sors! Oh oh! Oh oh ah! Oh oh oh! Cassons-nous en vitesse! Moi je cours! Je devais pas retrouver mon papa d'ailleurs à la base. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Pick up! J'ai une lettre! Read! Ma chère Viola, je suis désolée. Il y a les gens de la sorcière dans la forêt, elle kidnappe les enfants, qui se perdent ici. Is very near the forest. Ah, la maison de ton ami est vraiment pas loin de la forêt, donc je m'inquiète à propos de toi. Son ami s'appelle Hélène, right? I don't, je sais pas quoi. D'accord. I don't, on sait pas. Mais comment je fais pour passer là, moi, du coup? Bah oui, je vois bien. Ah, peut-être la cute little bottle. Yeah! Mais on s'en sort vivant! C'est trop bien! C'est génial! Courant! Est-ce mon papa? Papa! C'est moi! Oh, il y a une musique toute mignonne! Viola!
Est-ce que c'est toi, Viola? Tu en sais que tu es safe, tu es bien, quoi. Est-ce que tu as mal quelque part? Phew, Dieu merci. Tu es vraiment en retard. Je t'ai cherché partout dans la forêt. Je suis content que tu ailles bien. Let's go home, mais rentrons chez nous et puis partons de la pluie. Enfin, oui, c'est mal. Oh non. C'est Hélène. Oh putain de bordel. Donc Hélène qui était mon amie. J'espère que vous avez compris un peu près l'histoire parce que j'ai super mal traduit. Moi j'ai compris pour une fois. Go, 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 go. Je peux pas bouger. Hein. Viola, reste en arrière. Yeah, yeah. Ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, cool, cool. C'est bon, c'est terminé. Bon, mon amie est un peu morte, hein, mais bon. C'est pas grave. Et on se casse. Et tout va bien. Alors oui, on m'a dit qu'il y avait plusieurs fins apparemment à ce jeu. Est-ce que j'ai eu la bonne? Ça m'a tout l'air, hein. Et générique de fin. Bah du coup, vous me direz si j'ai eu la bonne fin ou pas, parce que j'en sais foutrement rien. Des fois dans les RPG comme ça, c'est écrit si on a la bonne ou la mauvaise. Bon, laissez passer le générique, hein, de toute manière. En tout cas, c'était un jeu super sympa. Je suis vraiment désolé de ma traduction super foireuse, par contre, mais... ouais. Déjà, je comprends pas 200% l'anglais, alors en plus à traduire, je vous explique quand même pas, c'est galère. Enfin, vraiment que j'améliore mon anglais, ça pourrait beaucoup me servir. Mais bon. En tout cas, j'ai compris l'histoire, donc en gros, ouais, donc on était amis avec Hélène, donc la sorcière. Et elle était malade, machin et tout, et du coup, bah, elle voulait récupérer notre corps pour vivre à travers nous, quoi. Donc, rien de compliqué pour l'histoire, pour le coup. Et c'est pour ça qu'elle nous a attirés dans la maison, machin et tout, pour pouvoir récupérer notre corps et tout. C'est pour ça qu'elle voulait qu'on vienne dans sa chambre. Et maintenant, elle est crevée. Donc voilà, j'espère que j'ai eu la bonne fin. Ça m'a tout l'air, hein, on s'en sort vivant, on retrouve notre papa. Hand. Et il y avait le chat. Et oui, parce qu'il est mort, mon petit chat. Mon petit chat, yo. Mon petit chat racaille. Yo. Enfin, yo, non, c'est pas racaille, mais... Bon, bah, du coup, je sais pas du tout si j'ai eu la bonne fin ou pas. J'aurais voulu savoir ce que ça faisait d'avoir la mauvaise fin, quand même. Mais je sais pas comment on fait. Alors, ce que vous faites, c'est que dans les commentaires, vous me dites si j'ai eu la bonne ou mauvaise fin, même si, apparemment, ça a l'air plutôt d'être la bonne. De toute façon, j'ai sauvegardé juste avant la course-poursuite, donc... Si vous savez comment avoir les autres fins, vous me dites, vous me spoilez pas par contre, hein, vous me racontez pas ce qui se passe si on fait ça, mais vous me dites juste, bah, ah oui, non mais attends, il existe d'autres fins, il faut juste que tu fasses ça au lieu de ça, et vous me dites pas ce qui se passe après, et du coup, je le ferai. Ça vous va? Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce let's play vous a plu. N'hésitez pas à me proposer des jeux, on m'a proposé Misao. Alors je sais pas si ça se dit Misao ou Misao, je crois que c'est Misao. Donc je connais deux noms, donc je le ferai certainement, je pense, ouais, dans très peu de temps. Donc voilà, continuez à me proposer des jeux et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker ce let's play et à le mettre en favori. Et moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures, allez. Bye. Je viens à l'heure pour distraire la personne qui est ici.